Mais c'est évident, Fabien. Je vais pouvoir les films d'horreur au cinéma. On nous prend trop pour des cons. Attends, c'est toujours la même chose. C'est toujours une bande de jeunes, hein, qui louent une maison isolée du reste du monde à cause de la marée ou je sais pas quoi. Déjà, un coin où on n'irait pas, nous, tu vois. Bon, ben, eux, ils la louent. En plus, il y a eu un carnage dans cette maison il y a 40 ans, dont manifestement tout le monde se branle. Hein. Ah, ils sont une douzaine, il y a six gonzesses à épater, ils la louent. Hein. Même le prix de la location, attention, c'est toujours un petit château, genre 35 pièces, 150 euros le week-end. Hein. Excuse-moi, ça fait même pas 10 euros la piole. Ça sent quand même un petit peu la merde au départ, hein? Bon, je reviens pas là-dessus, il a lu. Je vous passe aussi les détails sur le gars au début du film, qui les amène en chaloupe. Chaloupe, ça fait toujours rire, hein? Je sais pas pourquoi. Hein. Tu te fais chier en famille, tu dis chaloupe, et hop, tout le monde rigole. Le mec au début du film, non, non, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Le mec, il les amène au début du film. C'est Frédéric Lopez, le mec qui les amène. Ah oui, d'accord. Mais déconcentre pas, salaud. Il les amène. Reprends ta chaloupe, amène... je te le merde, ton sketch. Oh putain, c'est pas vrai. Alors, la chaloupe. Il les amène en chaloupe au début et. Et qui normalement, bordel, qui normalement devait rester avec eux puis qui finalement repart. Au moment où la nuit tombe, brutalement d'ailleurs, à 14h30. Oui, parce que vous avez vu, dans les films d'horreur, la nuit, elle tombe très vite. Hein. Surtout dans les Dracula. Ah ben, les Dracula, faut pas y aller pour bronzer là-bas, parce que le soleil, il se lève à 11h, à midi et demi, il fait nuit. Hein. Ah oui, sinon, comment tu veux qu'il échoppe, hein. Bref, personne tombe de son siège dans le Cinoche. Un quart d'heure après le début du film, il y a 8 morts. Pas un rhume, pas une méningite, hein, que des morts violentes, que des mecs grillés vifs dans la cheminée, 200 kilos de ketchup, des outils de jardinage, de la viande collée au mur, partout. Bon, normalement, devrait s'installer comme une espèce de petite méfiance dans le groupe qui reste. Penses-tu? Non, je vous rappelle les chiffres, il reste 4 blaireaux. Hein. Et là, le plus trapu des 4, il dit, j'ai entendu un bruit au grenier, un bruit à la cave, on va faire deux groupes de deux. Et là, je dis, non! Personne ne fait deux groupes de deux à ce moment-là, il y a déjà eu 8 morts! Font deux groupes de deux un autre jour! Hein. C'est vrai que des fois, c'est agréable de faire deux groupes de deux. Hein. Ça, voilà, l'autre jour au Monoprix, on a fait deux légumes, deux alcools, on a gagné un quart d'heure. Mais là, non! Je veux dire, là, il y a 8 morts, il en reste que 4, tu sais ce qu'on fait? Eh ben, moi, je le sais, on se met dos à dos sur la table du salon avec toutes les lampes électriques et on attend! Et là, le caméraman, va falloir qu'il soit maladroit pour le louper, l'assassin! Parce que jusqu'à maintenant, on a eu que les pieds dans l'escalier ou la main qui coupait le courant! Comment est-ce que j'ai un cadreur comme ça dans un film, je le vire! Hein, je lui demande pas de faire un gros plan, mais enfin, il pourrait l'avoir en entier au moins une fois quand même! Parce qu'en fait, on sait rien de ce type. Ça qui fout les jetons aussi. Alors moi, j'ai dit à ce moment-là du film, eh ben moi, je me lève et je me barre. J'aimerais bien que tout le monde se lève et que tout le monde se barre. Fais gaffe, parce que quand tu donnes un ordre, tout le monde obéit ici. Hein. Non, alors, bref, je sais pas ce qui s'est passé à la fin du film. J'imagine que les deux du grenier, ils se sont fait trucider. Et puis les deux de la cave. Ah, il y en a un qui a entendu un bruit dans le jardin, l'autre un bruit dans le garage. Ils ont fait deux groupes de 1, et puis ils sont morts tous les deux. Voilà, il n'y aura plus qu'à attendre 40 ans pour qu'il y ait une autre bande de trous du cul qui la reloue, la baraque de merde. Et ça fera un autre carnage, parce qu'il faut bien faire le numéro 2. C'est pour ça que je dis, je ne vais plus voir les films d'horreur au cinéma, parce qu'on nous prend trop pour des... Oh. Tu pouvais pas le faire tout seul, ça? Monsieur Donnarumma. Ah. Oh, merci.